tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Nous sommes à Pâques et nous sommes en vacances. Et je suis en vacances et je ne peux pas vlogger, donc j'ai proposé de vous faire des vidéos. Il y en a deux, je ne sais pas laquelle je vais sortir en premier. Mais parmi ces deux vidéos, il y a une foire aux questions. Je vous ai posé la question, savoir si vous aviez vous aussi des questions à me poser sur YouTube et sur Instagram. Il y en a eu quelques-unes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, bon, je vais essayer de faire ça maintenant. Alors, première question. Est-il déjà arrivé que ton fils aime un livre au point de vouloir le lire très souvent et sauf que toi, tu n'aimes pas du tout lire ce livre? Alors, mon fils a bientôt 5 ans et depuis qu'il a 6 mois, ouais, 4-6 mois, c'était quand Montreuil. Montreuil, je lui ai acheté ses premières histoires du soir, il avait 6 mois. Depuis ces 6 mois, on lit une histoire tous les soirs, en fait. Voilà. Au début, on en avait une, deux. Et puis après on en a eu plein, mais il était un peu focus sur une seule histoire, de ma faute aussi parce que je lui lisais un peu systématiquement la même histoire parce qu'il se rende compte que c'était le soir, que c'était le moment de dormir, tout ça. Et du coup il a gardé cette habitude là. Les premiers qu'on a lus en boucle, c'est les croque-bisous. Croque-bisous, c'était au top pour mon fils, on en a 6 ou 7 je crois, et il tournait comme ça régulièrement tous les soirs. Il n'y a pas de livre que j'aime pas lui lire, enfin je me dis que de toute façon je lis un livre, donc c'est forcément positif, peu importe le livre, et on fait quand même attention à ce que ça soit des histoires du soir, pour le soir, soit des histoires intelligentes, intéressantes, mais vous le verrez, alors soit avant, soit après cette vidéo, tous les livres qu'a mon fils et qu'on lui lit ou qu'on lit ensemble. On a quand même pas mal de titres sur pas mal de sujets. Et ça, c'est cool parce que maintenant, pour les enfants, ils font vraiment des trucs très, très bien. Mais non, il n'y a pas de livre que... Si, il y a plein de livres qu'il lit très souvent. Des fois, on peut rester 2 ou 3 mois sur le même livre. Il ne va pas en vouloir d'autres alors qu'il en a tout un tas comme ça à côté de son lit. Mais il va rester sur le même. Puis des fois, il choisit. Puis des fois, il en prend un autre. Je ne vais pas vous donner les titres parce que de toute façon, je vous donnerai tous les titres quand je ferai cette vidéo, donc voilà, moi je me dis que de toute façon, s'il veut lire, c'est positif, même si j'aime pas trop le bouquin, on n'en est pas encore à cet âge où ce livre-là, franchement, si ça vole pas haut, ça m'intéresse pas trop de le lire, non, vraiment non. ma maison d'édition préférée, alors j'en ai plusieurs, la première qui me vient c'est le Cherche Midi, parce que j'ai un lien particulier avec le Cherche Midi, parce que c'est Benoît qui m'a envoyé mon premier service presse, en janvier 2017, et que waouh, je me disais oh waouh, je rentre dans la sphère des Instagrammeurs privilégiés. Et du coup, Cherche Midi, voilà, j'ai un attachement particulier. J'ai 2 étagères pleines de bouquins uniquement du Cherche Midi, et puis les Cozy Mystery, tout ça. Voilà, l'Iconoclaste, je suis très attachée aussi à cette maison d'édition parce que je les suis depuis ça fait un moment. Je les ai découverts avec Timothée de Fombelle, Neverland. J'avais reçu, on m'avait proposé je crois, Même les monstres, je crois, c'était sur un avocat qui défendait des personnes qui avaient commis des crimes, et c'était très intéressant. Et puis depuis la rentrée, alors c'était quand bah si, c'était en janvier, ça devait être janvier 2018 ou 2019, Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea. Et puis après j'ai été invitée à la rentrée littéraire pour, c'était pour quoi, la première rentrée littéraire que j'ai faite, ah je sais plus, mais j'avais reçu, ah si, j'avais reçu L'Autre Rimbaud, l'année aussi où il y avait Liv Maria qui était sorti, et depuis ce moment là je n'avais jamais été déçue par l'Iconoclaste. J'ai été déçue une fois d'un bouquin, mais c'est parce que j'accrochais pas au style, donc ça ne venait pas ni de la ligne éditoriale ni de l'histoire, c'était vraiment le style auquel j'accrochais pas, mais il a eu des très bons retours, donc je m'inquiétais pas pour eux. Et je suis très attachée à eux. Bon, ils ont... Jean-Baptiste André a eu concours depuis, mais même sans ça, de toute façon, je reste attachée à eux. C'est une maison que j'affectionne particulièrement. J'ai un super contact avec eux. Il y a d'excellentes lectures. Les auteurs sont top. Et j'attends à chaque fois les nouveaux titres à sortir. Et je suis jamais déçue, quoi. Enfin, ouais, je suis jamais déçue. Donc, l'Iconoclaste et le Cherche Midi, je pense que c'est mes deux maisons d'édition préférées. Après, niveau relation aussi, il y a Pocket, bien sûr. Que j'affectionne beaucoup, en fait j'affectionne plus le côté humain aussi, les liens que je peux avoir avec les équipes, et ça c'est top, mais finalement toutes les maisons d'édition avec lesquelles, j'allais dire je travaille pas du tout, qui m'envoient des services presse, on a forcément un lien, on communique, on échange, tout ça, bon, c'est chouette, et Albin Michel aussi, donc voilà, c'est cool, franchement j'ai... Voilà, mais l'Iconoclaste et Cherche Midi, c'est deux maisons qui sont dans mon cœur depuis très longtemps. Mon métier, mes contraintes et mon organisation de lecture. Alors,
Mes contraintes professionnelles, j'en ai pas. Je suis un métier que j'aime. Donc à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, tu ne vas plus travailler. Je sais plus qui disait ça. Je m'organise en fonction des cours que je donne. Il y a des jours où je prends la voiture, donc c'est audiobook. Il y a des jours où je prends le métro et le RER, donc c'est livre papier. J'ai mes plannings de lecture depuis... Ça fait bien 3 ou 4 ans que j'ai mes plannings de lecture. Que Estelle m'a donné envie de faire, en fait, hein, finalement, puisqu'elle, elle faisait déjà ça. Et puis j'ai pris un petit peu le truc en cours de route et je me suis mis à faire des plannings de lecture. Maintenant, très détaillé. J'ai moins de livres dans ma palle qu'avant. Maintenant, j'en ai une quinzaine. Avant, j'en avais 30, 50, tout ça. Moi, j'organisais en fonction de certains challenges aussi. Maintenant, je fais plus de challenges, à part Marceau féminin, mais c'est que des autrices. Donc, c'est pas contraignant pour moi. Et les catégories, c'est moi qui les fais. Donc, a priori, ça va, je sais faire. Mais sinon, non, non, j'ai pas de contraintes par rapport à ça. Je combine avec une autre question qu'on m'a posée par rapport à mon temps de lecture par jour et par semaine. Donc ça dépend vraiment de mon planning. J'ai pas des horaires de bureau fixes. Chaque jour est différent. Je donne des cours soit dans les écoles, soit dans mon école de danse. J'ai pas deux jours qui se ressemblent parce que je suis pas deux fois dans la même salle. Et donc j'ai des moyens différents d'y aller. Plus parfois je dois passer dans Paris, acheter machin, faire un truc, tout ça. Donc hop, ça fait du temps de lecture en plus. Je lis finalement peu chez moi. Je vais lire les moments où on a couché notre fils. On couche vers 8h. Et des fois, on se met devant la télé vers 8h30, 9h. Si mon mari a envie d'écouter de la musique, il se met sous casque. Moi, je prends mon bouquin et je lis. Mais ça peut être 20 minutes. Et puis, des fois, ça va être des soirs où il n'y a rien à la télé, où il veut juste écouter de la musique ou bosser. Et puis, ça va être des soirs où je vais lire. Mais ça, c'est une fois sur 10, en fait. Donc, je lis pas trop à la maison. Parce qu'à la maison, il y a toujours des trucs à faire. Donc, j'ai du mal à me concentrer. Je lis plus dans les transports facilement. Et en plus. Alors, attendez. Et en plus, j'ai des temps de trajet plutôt longs pour aller bosser, puisque je mets 1 heure à peu près pour aller bosser en transport. Des fois, 1 heure aussi en voiture. Et du coup, bah, je peux bien avancer, me poser dans le métro jusqu'à pendant des fois 30 minutes sans décoller de mon bouquin. Je sais, à force de faire le trajet, je sais bien où j'en suis. J'ai juste à relever les yeux, je vois quelle station on est, donc je sais. Donc, je m'organise comme ça. Et ça fait 3 ans maintenant que je m'organise comme ça par rapport à mon boulot. Et par rapport aux audiobooks, ça fait longtemps aussi que j'écoute ça. Donc j'ai pris la voiture plus souvent que cette année. Là, cette année, c'était juste une fois par semaine. Donc les audiobooks n'avançaient pas très vite. Mais je m'en sers aussi pour le ménage, pour tout ça. Voilà. Donc ça va. Donc par semaine, en moyenne, j'ai 10 heures de transport. Transport en commun et voiture. Donc ça fait 10 heures de lecture. C'est pour ça que je peux lire deux... Normalement, c'est 2 livres par semaine à peu près. Par rapport aux audiobooks, je les écoute en 1.3, 1.5 quand vraiment c'est lent et que j'ai besoin que ça aille plus vite. Mais voilà, sinon en général c'est ça, 10 heures par semaine, sans compter, alors ça c'est 10 heures par semaine de transport, hein, sans compter les moments où je peux lire chez moi. Il y en a finalement peu, c'est peut-être 1 heure ou 2 heures, voilà. Parce que je peux pas me poser, enfin, mon fils est très demandeur donc je suis avec lui tout le temps. Sauf si vraiment je vois qu'il est tout seul, qu'il joue tranquille, je prends mon bouquin. Il sait que je prends mon bouquin donc... Ah si, j'ai 1 heure qui s'est rajoutée parce qu'il a musique le samedi matin. Et donc pendant cette heure-là, je reste sur place parce que je peux pas rentrer, c'est un petit peu loin. Et donc c'est 1 heure où je lis, donc potentiellement 3 quarts d'heure où je lis. Donc ça c'est cool, ça a du temps en plus de lecture, du temps utile de lecture parce que sinon j'attends. Et je peux pas rentrer chez moi parce que on met une grosse demi-heure pour y aller. Donc ça sert à rien que je repasse chez moi en fait. Donc je reste sur place. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un livre que j'ai lu enfant et que je veux lui faire découvrir. Je ne lisais pas quand j'étais enfant. Et enfin, on me lisait des histoires, on m'a lu Les Malheurs de Sophie. Je me rappelle de l'histoire avec la crème où Sophie tombe malade, elle a mangé trop de crème ou trop de brioche, je sais pourquoi, et puis elle est malade, elle a mal au ventre. Ça m'a fait beaucoup rire et voilà. Après Les Malheurs de Sophie, peut-être que je lui lirai, mais je crois qu'il y a quand même des moralités parfois qui sont un peu dépassées. Mais il n'y a pas de livre que je lisais enfant et que j'aimerais lui faire découvrir. Les premiers que j'aimerais lui faire découvrir, c'est Les Chairs de poule, mais je ne sais pas s'il va aimer ce style, cette peur en fait des histoires. Ça fait pas super peur pour l'époque. Voilà, c'était pour moi c'était un petit peu la découverte de la peur justement, même si adulte, c'est pas du tout le même ressenti. Mais ouais, Les Chairs de poule, j'aimerais bien lui faire lire. Et puis après, ça va être quand il sera plus grand, mais
Je pense que de toute façon, on va passer par la case librairie régulièrement et que plus il va grandir, plus je vais aussi lui conseiller des livres. J'aimerais, je voudrais pas lui forcer, le forcer en fait, je voudrais que ça vienne de lui. Me voyant lire, il a l'habitude de me voir lire de toute façon. Et je me dis que moi, j'avais l'habitude de voir ma mère lire et j'ai toujours été bénie par les bouquins, même si je lisais pas, j'ai pas lu avant longtemps. J'étais forcément dedans. Donc il y a forcément un truc un peu génétique aussi et de milieu dans lequel tu es entouré qui fait que tu es un peu curieux. Tu dis, ah, ou tu regardes un livre, tu connais la couverture, tu connais le nom de l'auteur, sans savoir l'histoire, mais tu connais en fait. Et je me dis que mon fils, ça sera peut-être un peu pareil. Je veux pas le forcer, mais on ira quand même à la librairie. Hein. Donc voilà. Livre à lire ensemble, tous ceux qui lisent. Bon, en ce moment, il y en a un qui est trop bien en ce moment qu'on lit, ça s'appelle Interdit de manger les livres. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Je vous en parlerai dans la vidéo des livres de mon fils. Il est trop bien. Il est trop beau en plus. C'est pour les amoureux des livres, que ce soit enfant ou adulte. Des livres sur la danse. Alors oui, j'en lis plusieurs. Là, j'ai la biographie d'Aurélie Dupont, par exemple, qui est danseuse étoile. J'ai lu la biographie de Germain Louvet, qui est aussi danseur étoile. Et j'ai le beau livre avec des belles images de Dorothée Gilbert, qui s'appelle Étoile, avec un S aussi entre parenthèses, qui est très beau. Je suis toujours curieuse des livres sur la danse, des biographies de danseurs. Et sinon, à vous conseiller en livre sur la danse. Il n'y en a pas des masses. Eh bien, je vais vous conseiller Dans la forêt de Jean England, parce qu'une des deux sœurs est passionnée de la danse, et on ressent tout à fait l'émotion d'une passionnée de la danse, parce qu'elle parle de rythme, elle parle de mouvement, elle parle de rythme, mais de rythme de corps, de rythme du corps, du rythme du cœur aussi, et c'est très très juste ce qu'elle raconte. Donc dans la forêt, il y a ça, sinon au niveau des bouquins sur la danse. Je réfléchis, je regarde. Ah si, Deux cigarettes dans le noir de Julien Dufresne-Laby, qui parle de Pina Bausch, qui était une chorégraphe allemande, qui est décédée il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus, 10-14 ans, et qui est très 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 très, très juste, pardon pour cette moto infernale, qui est très juste aussi au niveau des mots qu'il choisit et du style de Pina. Qui était un style Tanztheater, donc danse-théâtre. C'est l'école allemande et c'est très imagé, c'est très théâtral. Pina Bausch, quand on va voir Pina Bausch, il faut être un tout petit peu un public averti en disant ça ne sera pas forcément que de la danse. Il y aura aussi un peu de théâtre, il y aura du jeu, il y aura de l'espace, il y aura une mise en scène particulière. Orphée et Eurydice, si vous avez l'occasion de regarder Orphée et Eurydice de Pina Bausch, mais foncez. Moi, je l'ai vu par le Ballet de l'Opéra de Paris et c'est incroyable. Mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est d'une richesse dingue. En plus, la musique est folle. Barbe bleue aussi, c'est magnifique. Café Müller, évidemment. Le Sacre du printemps, évidemment. Donc, regardez Pina, mais sachez que ça peut remuer un peu. Ça peut nous mettre peut-être un peu mal à l'aise ou nous interpeller ou nous dire waouh, c'est magnifique. Ou une musique ou un instant où c'est très imagé. Donc, Pina, c'est très particulier. Et Julien Dufresne-Laby en parle très bien. Sinon, je regarde, mais je vois rien d'autre. Au niveau des bouquins sur la danse, ouais, j'en ai pas des masses. J'en ai pas des masses parce qu'il s'en est pas fait des masses, je pense, et que j'ai encore beaucoup à lire. ensuite, combien de livres de train? Ah oui, c'est Héloïse. Combien de livres de train chez mon fils? Il y en a quatre déjà pour son anniversaire entre nous, mes beaux-parents, les amis qui lui en ont offert. Il en a quatre. Il adore les trains, il est fou de train. Quand on va en musique le samedi matin, on prend le métro et on prend la ligne 2. Et pour ceux qui connaissent la ligne 2, il y a un moment où on monte, c'est le métro aérien en fait. Je crois qu'il pourrait juste rester dans le métro, ça lui ferait sa journée en fait. Il adore ça, il adore monter sur le pont et voir ça. Donc les métros, les trains, les TGV, c'est son kiff. Donc il y en a beaucoup, il y en a beaucoup à la maison. Est-ce que je lis des biographies historiques ou artistiques? Donc je vous ai parlé des biographies artistiques, oui. Biographie historique, oui, j'adore Marie-Antoinette de Zweig, j'adore Marie Stuart de Zweig. J'aime beaucoup, je suis très curieuse, j'étais une brêle en histoire géo quand j'étais au lycée, et je m'en veux et je m'en excuse auprès de ma prof. Voilà, je l'ai toujours en tête, me disant, mais Florence, mais comment ça se fait que vous avez des notes si basses? J'avais 4 de moyenne en histoire, c'était catastrophique. Et ma prof était désespérée avec moi, j'en étais désolée, mais ça ne rentrait pas, ça ne fonctionnait pas.
Et maintenant, bah voilà, je regrette de ne pas avoir été suffisamment attentive et curieuse quand j'étais au lycée, mais je me rattrape parce qu'il y a plein de livres historiques aujourd'hui qui me tendent des biographies de femmes fortes qui ont marqué l'histoire, par exemple, ou de moments historiques. Alors moi, je suis fan, c'est toujours très très délicat de dire ça, mais la Seconde Guerre mondiale est une période qui m'intéresse beaucoup, la Première aussi, la Révolution française aussi. Et puis, il y a d'autres périodes de l'histoire que je connais pas du tout, du tout. La Renaissance, l'Antiquité, tout ça, je connais rien. Qu'est-ce que je sais? Napoléon, rien du tout. J'aime beaucoup le début du siècle aussi, bon, la période victorienne, bien sûr, mais ça, c'est plus du côté anglais. Mais je suis curieuse et c'est cool. Et je suis contente d'être curieuse maintenant, mais je m'en veux quand même de me dire, ah, oh, mais ça, tu devrais savoir ces dates-là, tu devrais savoir. Et des fois, quand j'en parle à mon mari, mais c'est pas vrai, tu sais pas ça, mais bien sûr, on l'a appris. Oui. Et je lui dis, tu me le rappelleras dans 10 ans quand notre fils sera au collège et au lycée, qu'il étudiera ces périodes historiques. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai appris à travers les livres et pas forcément à travers le collège ou le lycée, alors que j'aurais pu tout à fait m'intéresser à ça, mais je n'étais pas. Est-ce que ma mère m'a pas assez traînée en librairie à me dire, bah tiens, t'étudies ça au collège, tu devrais lire ce bouquin. Je pense que j'ai dû lire, oh, tu me saoules. Mais bon, pff, ouais, j'aurais dû m'intéresser plus. C'est un petit regret, mais j'essaie de me rattraper maintenant, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sagas à conseiller. Alors, bien sûr, je vais vous parler des Sept Sœurs parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Je suis très à la bourre, je n'ai lu que trois tomes, mais j'ai toujours une bonne affection pour cette saga-là parce que j'adore. On rentre tout de suite dans l'histoire et j'aime beaucoup le style de Lucinda Riley. Puis-je vous conseiller les Rougon-Macquart? Je ne sais pas. Sinon, je vous conseillerais la saga de. Je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette saga. Les Chroniques de San Francisco de Armistice Maupin. Qui est top, qui n'a pas pris une ride, que je relis tous les ans, un tome chaque année. Là, j'en ai lu 3 déjà, je vais lire le 4. Oh, je vais lire le 4 cet été, je suis contente. Je crois que je vais lire le 4. C'est le 3 ou le 4? Non, c'est le 4. C'est le 4. Voilà, après, je suis pas très saga. Aussi, Anne de Green Gables, aussi, trop bien. Et puis, Monsieur Toussaint Louverture a quand même ce chic de nous faire acheter ses livres et de faire acheter ses beaux livres et ses bons livres. Donc, ça, c'est cool. What else? Saga, saga. Bon, je vous conseillerais des sagas Cozy Mystery aussi, parce que Anna Svensson, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ils étaient 10, là je les vois tous. Ah oui, les sagas Cozy Mystery, si vous pétez dedans, on n'a pas fini. Hein. Une enquête des sœurs Bronté, trop bien. Le Corbeau d'Oxford, alors c'est Lizzie Martin, non. Comment ça s'appelle? Oh, les détectives, non pas du tout. Oh, je vais pas y arriver. Love Day and Rider, j'aime beaucoup, j'ai lu les deux premiers, j'ai beaucoup aimé. Les Dames de Marlowe, excellent. Marguerite et Georgette, même si j'en ai lu qu'un, j'ai adoré parce que je l'ai écouté en audio et que c'est avec l'accent belge et juste c'est parfait. On m'a offert récemment le tome 2 là, j'avais le tome 3, je m'étais pas rendu compte que c'était le 3. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit non, il me manque le 2. Et c'est Fabienne qui me l'a offert lors de l'événement Mars au Féminin, donc merci encore Fabienne. Donc je vais pouvoir continuer la saga avec le 2 puis le 3, donc ça c'est cool. Voilà, sinon au niveau des sagas, ouais, j'en ai pas des masses. La saga Mister Mercedes de Stephen King, qui est très très bien. Mais arrêtez-vous aux 3. 1, 2, 3, c'est bien. L'Outsider est bien, mais faut pas le compter. C'est un peu plus de la saga, mais 1, 2, 3 se suffisent à eux-mêmes. Et enfin, au niveau des commentaires auxquels je réponds, est-ce que j'ai un créneau pour répondre aux commentaires ou c'est spontané? C'est spontané, c'est à chaque fois que je vais sur l'application YouTube Studio, tout ça, et puis Instagram. J'ai pas de période, j'arrive pas. Vu que mes horaires changent tout le temps d'un jour sur l'autre, enfin, c'est toujours les mêmes semaines, mais le lundi n'est pas la même chose, n'est pas la même journée que le mardi, qui n'est pas la même journée que le mercredi, qui n'est pas la même journée que le jeudi, etc., etc. Donc je peux pas me dire, tiens, tous les jours, de telle heure à telle heure, je réponds aux commentaires, parce que ça ne sera jamais pareil. Et je peux pas me dire, le lundi, je réponds à cette heure-ci, le mardi à cette heure-ci, le mercredi. Bon, je préfère que ça soit spontané, et puis quand j'ai le temps. Et là, par exemple, hier, j'ai pas regardé YouTube Studio de toute la journée et je fais une vingtaine de commentaires sur ma dernière vidéo. Et du coup, bah, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde. Donc là, c'était vraiment un temps consacré. Mais sinon, j'essaie d'y aller régulièrement et de répondre assez régulièrement aux commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!